Eh bien, écoutez, je suis très content de me trouver parmi vous. Je constate que vous formez un nouveau cercle de gens un petit peu plus jeunes, mais certainement aussi désireux d'apprendre et de posséder des convictions dictées par nos maîtres et les nécessités du salut national. Je dois donc vous parler aujourd'hui de la métapolitique. La métapolitique est quelque chose d'assez vague, finalement, parce que la métapolitique regroupe des tas de choses différentes. Et pour compliquer les choses, en plus, eh bien, les auteurs ont désigné au cours des âges, sous le nom de métapolitique, des choses qui philosophiquement étaient un petit peu diverses. C'est que je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le mot métapolitique, comme vous le savez, est formé à partir de méta, qui veut dire après, et politique, les règles de la cité. C'est un terme qui a été formé à l'image de la notion de métaphysique, qui remonte aux auteurs grecs. C'est Aristote qui est le premier à prononcer le nom de métaphysique. Le mot métapolitique apparaît beaucoup plus tard. Il apparaît en fait au XVIIIe siècle et il est le fait d'auteurs allemands. Alors, ces auteurs sont assez inconnus, hein, y compris de moi. Un certain Christoph Wilhelm Ufland et August Ludwig Schlözer. Donc tout ça, ce sont des gens qui font partie de la tendance des philosophes allemands qui entendent réagir et suivre à la fois les Lumières. Ce sont des philosophes qui sont dans le courant des Lumières, mais qui combattent les Lumières. C'est très spécifique, ce courant allemand très spécifique, qui n'existe pas en France à la même époque. Et en fait, le premier à employer le terme de métapolitique en France, c'est un des maîtres de la contre-révolution qui s'appelle Joseph de Maistre. Joseph de Maistre est un des maîtres de la contre-révolution. C'est d'ailleurs certainement au 19e siècle, donc la première moitié du 19e siècle, c'est certainement l'auteur contre-révolutionnaire le plus brillant. Pas forcément le plus formateur, pas forcément le plus rigoureux, mais le plus brillant. Et la lecture de Joseph de Maistre est toujours très, très agréable parce que c'est un auteur paradoxal qui accroche l'attention et qui donne envie de continuer parce qu'il est, très accrocheur, très paradoxal et très drôle finalement. Bien, Joseph de Maistre utilise le mot métapolitique en se référant à ces auteurs allemands dont je vous ai parlé. Et en fait, ce qu'il veut dire, Joseph de Maistre, c'est que la métapolitique, c'est la conformité à un plan général des sociétés. Mais Joseph de Maistre le conçoit d'une façon universelle, alors que les auteurs allemands que je vous ai cités se réfèrent à un héritage propre à l'Allemagne. C'est là que se trouve la différence entre les deux, sinon ils se réfèrent à la même chose. Et puis par la suite, eh bien, cette appellation de métapolitique sera reprise dans les années 30-40 par un certain auteur américain qui s'appelle Peter Virenque. Mais en fait, ça ne veut pas dire pour autant que les gens qui n'ont pas utilisé ce terme de métapolitique ne faisaient pas de la métapolitique. En fait, on peut très bien faire de la métapolitique sans le savoir, ou sans utiliser le mot. Et je dois dire que, après Maistre, il y a eu des auteurs français comme Taine, Hippolyte Taine, Renan, Ernest Renan, et bien entendu, Barrès et Maurras, qui ont émis des opinions de nature métapolitique. Alors,
maintenant que je vous ai fait cette mise en train de nature sémantique, nous allons aller un peu plus profond pour comprendre ce que signifie ce terme, parce que je suis ici, vous n'avez sans doute rien compris. Eh bien, derrière toutes les acceptions du mot et de la chose, il y a la recherche d'une réalité qui sous-tend la politique. Alors, avant de parler de tout ça, il faut que vous compreniez qu'il y a un certain nombre de termes à définir. Il y a le politique, la politique et l'esprit public. Ce sont trois choses différentes. Le politique, qu'est-ce que c'est ? Le politique, c'est ce qui appartient effectivement à celui qui se sert du levier politique pour mener, pour diriger le pays. C'est-à-dire que le politique, les décisions proprement politiques, elles sont prises dans la solitude du pouvoir. Le politique, c'est au cœur du pouvoir. La politique, ce n'est plus du tout la même chose. Quand on parle de la politique, c'est la compétition pour accéder au pouvoir. Et quant à l'esprit public, eh bien c'est là, dans cet esprit public, que se trouve l'objet de la métapolitique. Essayons d'abord, dans un premier temps, de découvrir cette notion de métapolitique. Eh bien, on s'aperçoit que les sociétés sont inégalement fragiles, inégalement solides face à des événements graves. Prenons par exemple la révolution de 1789. Eh bien, au moment où la révolution de 89 éclate, personne n'est conscient qu'il y a une révolution. L'ancien régime existe toujours en 1789. Et il est toujours une construction, un ensemble, un corps organique et plein de vie. Ne croyez pas que l'ancien régime était totalement vermoulu. L'ancien régime fonctionnait. Il y avait toujours des motivations de la part des gens qui étaient traditionnels. Et d'ailleurs, les motivations traditionnelles ne vont pas du tout être détruites par la révolution, elles vont se continuer. Et pendant tout le XIXe siècle, on aura une continuation des traditions qui n'est rien d'autre que la continuation de l'ancien régime. Mais en fait, il y a quelque chose de changé. Et c'est ce quelque chose de changé qui va rendre l'ancien régime fragile et qui va faciliter la révolution. Puisque, si vous y réfléchissez, si on avait demandé en 1789 quels étaient les Français qui étaient républicains, on n'aurait sans doute pas pu trouver plus de 50 personnes dans toute la France qui était contre la monarchie. Et 3 ans plus tard, la monarchie est abolie, et après quelques mois, le roi est exécuté. Pourquoi ? Comment une chose pareille a-t-elle pu se produire ? Ce ne sont pas les institutions de l'Ancien Régime qui sont en cause. Les institutions, elles fonctionnaient. On en parle aujourd'hui sans savoir. Mais, par exemple, prenons l'exemple de la justice. La justice d'Ancien Régime, elle avait des défauts, elle était très lente, mais pas beaucoup plus lente que la justice que nous avons aujourd'hui. Et en revanche, il y avait sous l'Ancien Régime quelque chose dans la justice qui marchait beaucoup mieux, c'est qu'il y avait 10 fois plus de juges de proximité, et la justice de proximité était gratuite, elle fonctionnait très bien. C'était la justice seigneuriale. Et elle fonctionnait parfaitement. On n'a jamais retrouvé une proximité de la justice, de la petite justice, telle que celle qui existait sous l'Ancien Régime. Et pourtant, cette tradition millénaire, ces avantages que l'on trouvait dans l'Ancien Régime, vous vous souvenez de ce que disait Talleyrand, qui disait « Celui qui n'a pas connu l'Ancien Régime n'a pas connu la douceur de vivre ». Eh bien, pourtant, ce régime va s'effondrer très rapidement. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que tous les hommes qui sont censés l'encadrer n'adhèrent plus à sa logique.
Et ça se traduit par le fait que, en fait, l'ensemble des personnes lettrées, des personnes qui décident, raisonnent à partir de critères qui ne sont pas ceux de la tradition. C'est-à-dire que dans cette société de la fin de l'Ancien Régime, on est tout à fait d'accord pour considérer que ce n'est pas la tradition qui est créatrice, mais c'est la raison. Et on va donc considérer que toute œuvre nouvelle faite à partir de rien est supérieure à une œuvre créée par la tradition. Ça, c'est quelque chose qui imprègne tout le XVIIIe siècle. J'ai fait, je crois, il y a trois mois, une conférence ici pour les étudiants, dans laquelle je leur ai raconté comment les Lumières étaient implantées dans l'État des Français. Et les Lumières, elles reposent sur l'idée que le monde doit être reconstruit à partir de zéro, et que rien de ce qui vient du passé n'est respectable. Eh bien, cette conviction, elle est au cœur des Lumières, et les Français l'avaient intériorisée. C'est pour ça que les premiers contre-révolutionnaires ne sont pas Français. Ils sont d'abord allemands et ensuite anglais. Pourquoi ? Parce que les Allemands ne sont pas du tout d'accord avec cette conception qui est implantée par les Lumières, parce qu'ils considèrent qu'elle est humiliante pour l'Allemagne et que la France impose un universalisme réducteur. Ensuite, en Angleterre, pour des raisons assez voisines. Donc voilà. Il faut bien comprendre que là, nous ne sommes pas devant quelque chose qui tient à la solidité des institutions, il tient aux cerveaux sont déjà investis. Au moment où la Révolution française arrive, les cerveaux sont déjà investis. Personne ne prendra la défense de l'Ancien Régime. Sauf un Anglais, Burke, hein, qui va, dans son livre Reflection on Reflection upon the Revolution in France, va donner les premières bases. Vous ne me mettez pas mon accent, mademoiselle. Et donc, à partir de là, les bases de la contre-révolution vont être posées. Et les contre-révolutionnaires comme Bonald, Maistre, comme Baruel, Montlosier, tous ces gens, au départ, ne sont pas contre-révolutionnaires. Ils sont d'accord avec la révolution, avec ce bouleversement, ce changement, cette reconstruction de la société à partir de rien. Très important de commencer. Donc, il y avait quelque chose, hein, il y avait un investissement mental qui a provoqué l'effondrement du régime, et bon, personne ne l'a défendu. Eh bien, vous avez exactement la même chose, bien que ce soit apparemment très opposé, avec l'Union soviétique. L'Union soviétique, eh bien, c'est une nation totalitaire, qui se joue totalitaire, qui l'est d'ailleurs en partie, et cette nation, elle est tenue par une idéologie messianique extrêmement structurée, qui se considère et est considérée par ses propres ennemis comme l'aboutissement de toute la pensée européenne, comme le nec plus ultra de tout ce que la pensée, depuis les Grecs, a fait pour comprendre le monde. Moi, je vais vous dire, vous n'avez pas connu ça, mais moi, j'ai vécu à cette époque-là. Hein. J'ai vécu à l'époque où le communisme était très puissant et très menacé. Eh bien, à l'université, les professeurs, tous les professeurs que j'avais, bon, pas ceux qui étaient d'AF, non, on parlait d'autre chose. Mais par exemple, les professeurs d'économie politique, de droit administratif, de droit constitutionnel, tous ces gens-là disaient il est évident que le communisme est là pour toujours. Tout au plus, ils disaient le communisme et le capitalisme sont deux notions qui se rapprocheront un jour et qui fusionneront dans la modernité. Tout le monde croyait ça. Hein. Quand on le voit, mon professeur, M. Latil, disait « Celui qui croit que la réunification de l'Allemagne est possible est un simple d'esprit. » Bon. Non, mais c'était comme ça. Ceux qui disaient ça n'avaient rien compris. Il y avait une prégnance, un poids très fort sur les esprits pour dire que le communisme était un fait accompli. Donc, vous voyez, non seulement
Le communisme disait « nous sommes le sens de l'histoire, nous sommes l'avenir », mais encore, ses ennemis disaient la même chose. De plus, le communisme bénéficiait d'institutions extrêmement répressives, puisqu'ils avaient des services secrets qui étaient qui maillaient toute la société. Les meilleurs spécialistes de l'armée rentraient au KGB, parce que le KGB, c'est là qu'on avait les gens les plus brillants. Donc c'était un régime qui était verrouillé de façon absolument incroyable. Comment pouvait-on penser qu'un tel régime pouvait s'effondrer? Il y avait partout des espions. Tout le monde était espionné. Et pourtant, derrière cette façade colossale, eh bien, il n'y a presque rien. Le régime va s'effondrer en 2 ans. En 1989, Gorbatchev arrive au pouvoir. Il cherche à apporter des modifications pour rendre le régime plus solide, hein, pour l'adapter à de nouvelles circonstances. Et en quelques mois, tout va s'effondrer. Non seulement le communisme, mais l'Union soviétique, et l'Union soviétique qui recoupait les frontières de l'ancienne Russie et qui va également tomber en poussière, avec toutes les conséquences que ça implique aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que des conséquences favorables au fait que l'Union soviétique ait disparu. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le communisme, on en parle, le communisme s'adresse aux gens, mais personne n'y croit plus, y compris les généraux du KGB. Personne n'y croit plus. C'est très important de comprendre ça. Et alors, les gens disent quand même qu'ils y croient, parce qu'ils n'ont pas le choix. S'ils disent qu'ils n'y croient pas, là, ils vont être punis. Ils le disent, mais visiblement, ce n'est pas leur conviction. À tel point qu'on invente un mot pour cela qui s'appelle la langue de bois. La langue de bois, c'est la langue des gens qui disent « oui, il faut dire ça, il faut dire penser comme ça », mais en fait, ils n'y croient guère. Ils n'y croient pas du tout. Et parlons d'un autre nos événements, alors qui est un peu moins significatif, parce qu'il s'agit d'un pays beaucoup plus faible que l'Union soviétique, c'est l'Espagne, l'Espagne franquiste. Moi, j'ai bien connu l'Espagne franquiste. Je suis allé en Espagne au Ferrol, et je voyais dans la rue, quand le Cordillo sortait, tous les gens qui sortaient des cafés en criant « Franco, Franco, Franco », en levant le bras. C'était c'était généralisé. Il y avait un amour pour le régime incroyable. Et puis, il y avait des structures dans le franquisme qui étaient assez solides. Quand il y a le mouvement international qui était capable de mettre des gens partout, dans tous les villages, il y avait des monuments à la gloire de José Antonio. C'était un régime qui avait une base populaire assez forte et qui s'appuyait sur le souvenir de la guerre civile et le désir des Espagnols de ne pas retomber dans la guerre civile. Et ce régime a voulu se perpétuer en restaurant la monarchie. Je vous rappelle que la monarchie a été rétablie en Espagne en 1947. La monarchie a été rétablie en Espagne en 1947 et pas du tout en 1976. Seulement, en 1947, elle était une monarchie, mais le roi n'était pas encore désigné, et c'est Franco qui tenait le rôle de régent. Et donc, il a voulu se perpétuer en restaurant la monarchie. Et je vous rappelle que j'ai encore dans les yeux le spectacle de Juan Carlos, qu'on appelait à l'époque le prince d'Espagne, il n'est pas encore roi, prêter serment devant les Cortés au principe du franquisme. Je jure solennellement que rien ne me fera dévier des principes du franquisme. Bien. Et puis, d'ailleurs, peu de temps avant sa mort, Franco a dit « Todo es atado y bien atado », ce qui veut dire « Tout est bien attaché, bien lié, ça ne peut pas changer ». Et en Espagne, en l'espace d'une semaine, eh bien, le régime monarchique
a totalement rejeté les bases du franquisme. S'est engagé sur une voie qui était exactement contraire. Et une constitution totalement idéologique, absolument à l'opposé des principes du 18 février, a été votée. Donc, ce qui s'est passé, c'est que finalement, personne ne s'est véritablement levé, si il y a eu ensuite le colonel Terreur, mais c'était également un épisode qui a été tragicomique. Donc en fait, tout s'est fait sans que véritablement le régime franquiste ait des défenseurs. Donc, ce que je vous conclue de cette situation, c'est que un renversement politique ne crée pas une situation, il la consacre. Et c'est ce que Gramsci explique, un groupe social doit être dirigeant dès avant de conquérir le pouvoir gouvernemental. C'est une des conditions essentielles pour la conquête du pouvoir. La prise du pouvoir ne s'effectue pas par une insurrection politique qui prend en main l'État, mais par un long travail idéologique dans la société civile qui permet de préparer le terrain. Et donc, Gramsci, qui était marxiste, explique que dans une société développée, le passage au socialisme n'opérera ni par un putsch, ni par l'affrontement direct, mais par une transformation des idées générales, équivalent à une lente guerre de position. Et l'enjeu de cette guerre de position, c'est la culture. La culture considérée comme le poste central de commandement et de spécification des valeurs et des idées. Alors, il faut préciser une chose ici. Parce que là, encore une fois, la question de vocabulaire, la sémantique, c'est très important. Quand on parle de culture, hein, en l'occurrence, il faut bien comprendre qu'il y a deux exceptions au mot culture. Là, quand on parle de culture, c'est la définition allemande qui est prise, et non pas la définition française. Qu'est-ce que c'est que la culture pour les Français? C'est ce qu'on garde quand on a tout oublié. C'est-à-dire que c'est un vernis, n'est-ce pas? Pour les Allemands, ce n'est pas ça du tout. Pour les Allemands, la culture, c'est l'ensemble des héritages intellectuels et moraux qui se sont sédimentés dans l'âme d'un peuple. Et c'est dans ce sens-là que l'on parle de culture. D'accord. Alors, on constate à l'inverse de tout ça qu'il y a des nations qu'on a essayé de dépouiller de leur culture, et qui l'ont en grande partie perdue, mais qui ont quand même conservé leur identité nationale, comme l'Irlande. Car vraiment, l'Irlande, nous fêtons actuellement le centenaire des pactes de Dublin, et bien en Irlande, on a un pays qui a été privé de son identité de manière systématique depuis 8 siècles. Les Anglais ont essayé de détruire la culture irlandaise pendant 8 siècles. En interdisant de parler la langue gaélique, en confisquant tous leurs moyens d'existence aux Irlandais de souche, en faisant des colonisations de peuplement par des Écossais et des Anglais pour écraser ce peuple. Et au bout de 8 siècles, eh bien, il s'est réveillé. C'est quand même qu'il y a des choses qui se trouvent sous la calotte crânienne et qu'on ne peut pas trop soupçonner. Alors, je vais maintenant parler des étapes historiques de la mise en application des principes de la métapolitique. Alors, je vous ai parlé des premiers, Bonald et Maestre, Ten et Renan. Et il y a, à la fin du XIXe siècle, un auteur qui a été, sur le plan de la métapolitique, extrêmement pénétrant, et qui était d'ailleurs, faisait partie de l'école contre-révolutionnaire, et qui s'appelle Augustin Cochin. Augustin Cochin, qui est un chartiste, et qui va montrer comment, dans la rédaction des cahiers de doléances en 1789, un certain nombre de documents stéréotypés ont été répandus dans toutes les communes de France, dans toutes les paroisses, pour faire valoir un certain nombre de mots, de vocabulaire, d'éléments de vocabulaire
qui avait un contenu idéologique que les gens ne soupçonnaient d'ailleurs même pas. Et c'est, le travail d'Augustin Couchin est fondamental. Et puis, à la fin du 19e siècle, vous avez également Barrès, et vous avez Maurras. Barrès d'abord, Maurras ensuite, ont exercé une véritable domination sur les esprits. Et il faut bien constater que cette domination, elle surpassait sans aucune difficulté la pensée républicaine qui ne se maintient que par le soutien du pouvoir. Mais en fait, les Français considèrent, même quand ils sont de gauche, que la presse de qualité, c'est l'Action française. L'Action française domine les lettres, elle domine la littérature, elle domine le théâtre. Les historiens, hein, tous les historiens, des historiens qui sont oubliés aujourd'hui, comme Alévi par exemple, ou Fabrentano, qui sont de grands historiens et qui se placent dans le sillage de l'Action française. Tout ça est oublié. Et pourquoi? Parce qu'en fonction de ça, on n'a pas pris le pouvoir, en appliquant les critères de Gramsci, et bien à cause d'un événement qui, sur le plan, sur un certain plan, était très favorable, mais sur un autre plan, était désastreux, c'est la victoire de 1919. Et parce qu'à partir du moment où la victoire a eu lieu, à partir du moment où la France a vaincu l'Allemagne, c'était pas seulement la France qui a vaincu l'Allemagne, c'était la République. Et du coup, la République devenait intouchable. Et c'est pour cette raison-là que le travail de métapolitique considérable qui avait été fait par Maurras n'a pas abouti. Alors, à ce moment-là, dans les années 30, on s'appuie à un personnage qui est secrétaire général du Parti communiste italien, qui s'appelle Antonio Gramsci. Je ne sais pas si on dit Gramsci ou Gramsci, je ne sais pas. Qui est-ce qui parle italien parmi vous? Personne. Bon. Alors, vous ne me fustigerez pas si j'emploie un accent tonique. Non, voilà, j'ai dit problème avec l'accent tonique italien. Je ne sais jamais trop si j'aurais la pénultième ou l'antépénultième, ou au contraire sur l'ultime syllabe du mot. Voilà. Antonio Gramsci est donc un disciple de Marx et de Lénine. Et il va tenter de permettre au communisme de prendre le pouvoir. Vous savez que le communisme n'arrive pas au pouvoir, il n'arrive pas au pouvoir parce qu'il y a une branche marxiste, un peu opportuniste, n'est-ce pas, mais bien socialiste, bien avec un héritage de gauche et une doctrine de gauche très marquée, qui a le pouvoir et est dirigé par un certain Benito Mussolini. Car le fascisme est une doctrine de gauche, il faut bien le voir. Le fascisme est une doctrine de gauche, plus encore que le national-socialisme. Et donc, Gramsci se rend compte que le Parti communiste ne pourra pas prendre le pouvoir. Il est mis en prison d'ailleurs, et il va mourir à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, après avoir écrit un certain nombre d'ouvrages dans lesquels il explique que c'est la guerre culturelle qui permettra de rendre le communisme possible. Et là, en disant cela, il s'écarte du marxisme. Il se rapproche, paradoxalement, de la vision maurrassienne. Pourquoi? Bien parce que Lénine, en bon marxiste, dit que c'est les mécanismes économiques qui, dans leur poussée volcanique, c'est un énorme torrent de lave, ou un glacier qui se met en mouvement, et donc personne ne peut arrêter le mouvement de l'histoire. Donc le communisme viendra au pouvoir, de toute façon,
sans même que ce soit vraiment nécessaire, rien qu'à cause de la confrontation des forces économiques qui vont conduire le capitalisme à des crises de plus en plus nombreuses et le prolétariat à acquérir une force de plus en plus invincible. Voilà ce que le marxisme dit. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et le marxisme, sur ce plan, s'est trouvé en défaut, malgré de très nombreuses observations qui étaient très justes dans le marxisme. Vous savez que Marx doit beaucoup à la pensée contre-révolutionnaire. Je ne vous dirai pas que c'est un contre-révolutionnaire du tout, hein. Mais il a emprunté aux auteurs contre-révolutionnaires comme Bonald ou Mestre des tas de choses. Et il leur rend hommage dans ses ouvrages. Il dit oui, ce sont des gens qui avaient compris beaucoup de choses. Bon. Et donc, ce mécanisme purement économique ne fonctionne pas. Et Gramsci va expliquer que pourquoi est-ce que le communisme a pris le pouvoir en Russie et qu'il n'arrive pas à prendre le pouvoir en Italie. Mais c'est tout simplement parce qu'en Russie, il n'y a absolument pas de société civile. Vous avez une très petite élite bourgeoise, et puis tout le reste, c'est des gens qui sont illettrés, ou qui sont pas illettrés, qui sont enfoncés dans la glèbe, comme par exemple les Moudjiks, toute cette énorme paysanne russe qui ne fait pas à qui il est très difficile de faire partager une pensée, qu'elle soit de gauche ou de droite. Donc il suffit de convaincre une toute petite minorité d'intellectuels vivant totalement en dehors du réel, il suffit de la convaincre et à partir de là, on dispose d'un levier qui permettra de prendre le pouvoir quand la Russie aura perdu la guerre de 14. Avec dans une catastrophe sans précédent. Mais il y en aura d'autres pareils par la suite. Et donc, Gramsci explique que ce qui se passe en Russie, c'est pas du tout comme ça en Europe, parce qu'en Europe, il y a une société dans laquelle le niveau de conscience, le niveau de connaissance qui peuvent s'exprimer, qui déterminent des convictions, est beaucoup plus important et que par conséquent, il faut faire fermenter ces idées, ces présupposés, afin de permettre que le pouvoir soit pris par le communisme. Et donc, il estime que c'est une œuvre de longue haleine, mais qu'il faut la préparer, il faut conquérir les leviers culturels. Alors, il fait même une analyse assez drôle en disant qu'il faut que le Parti communiste se crée autour de lui des groupes, qu'il appelle des groupes subalternes, des groupes acquis, qui admettront les présupposés du Parti communiste sans les discuter. Et puis bon, vous le savez comme moi, le communisme a gagné en Russie, mais par la suite, il n'a gagné que dans les pays qui ont été envahis. Il n'a pu gagner que dans les pays où il avait envahi, alors à l'exception de la Chine, effectivement, mais la Chine, on peut dire sur la Chine un peu ce qu'on dit sur la Russie, puisque c'est également un pays qui n'avait pas de classe moyenne, qui n'avait pas de demi-élite, il n'y avait pas plusieurs niveaux d'élite, comme c'était le cas de l'Europe. Et là, vous avez la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, elle se traduit par quoi? Elle se traduit par l'effondrement et l'interdiction de toute pensée de droite. Il faut bien comprendre, hein, le communisme devient, le marxisme devient officiel. Tous ceux qui critiquent le marxisme sont aussitôt vilipendés et persécutés. Et pendant des années, une pensée de droite, une véritable pensée de droite, est conduite à rester extrêmement minoritaire et à ne pas avoir d'acceptation ni par les médias, ni par l'opinion. Moi, j'ai connu cette époque-là. J'ai connu l'époque où il y avait un type qui s'appelait Souvarine, qui écrivait qui avait écrit un bouquin qui s'appelait « Choisis la liberté », et bien, chaque fois qu'il voulait prendre la parole, les réunions étaient interdites, personne n'avait le droit de critiquer le système communiste.
Et la pensée traditionnelle, la pensée même de l'action française, hein, était cantonnée dans un rôle tout à fait marginal. L'action française a été interdite jusqu'à des années. Hein. Le titre Action française a été repris, mais vous savez qu'il y a eu des gens qui ont dit ils ont pris un titre interdit, ils n'ont pas le droit. Bon, puis finalement, les gouvernants se sont dit que c'était pas très grave parce que l'essentiel de la puissance de l'action française s'était évaporé. Enfin, en 1945, il y avait encore beaucoup de gens de l'action française. Il y avait toute une génération qui avait été de l'action française, et donc c'était une clientèle importante. Et cette clientèle a été complètement verrouillée à cause de cette victoire intellectuelle de la gauche. Et la gauche a investi l'ensemble des esprits. Et c'est pour ça que... et puis alors ensuite, il faut ajouter autre chose, c'est que par la suite, l'action française et les partis nationalistes ont été entièrement mobilisés par un autre combat perdu qui était la GIE française. Ça, c'est très important à comprendre. Hein. Vous vous demandez quelquefois comment c'était, comment ça s'est passé, etc. Mais il est clair que le combat pour la GIE française a complètement stérilisé les possibilités de victoire de nos familles françaises. On ne pouvait pas faire autrement, bien sûr. Mais c'était un combat qui était perdu et qui, de surcroît, nous a complètement stérilisés parce qu'on ne faisait rien d'autre. C'était la GIE française. Il n'y avait pas de recherche, il n'y avait pas d'action sur l'opinion. Tout était déterminé par ce combat pour la GIE française qui était honorable. J'y ai moi-même participé puisque j'ai été très modestement, à mon petit niveau, membre de l'OS Métro. Mais je ne renie rien. Mais je constate que c'était un combat qui ne pouvait pas réussir. Mais enfin, c'était à notre honneur de le mener. C'est mon opinion. Hein. Peut-être que d'autres ne partagent pas mon avis. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui partagent pas mon avis. Et moi, je pense que ça ne pouvait pas être gagné. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je suis d'accord avec vous. Bon, d'accord. Bref. Alors, à ce moment-là, eh bien, à partir des années 70, il va y avoir une réaction. Et dans la droite française, il va y avoir la volonté de reprendre le contrôle de la culture. Pourquoi ? Bien parce que toute cette destruction de la pensée de droite, elle a été favorisée par des événements qui s'appellent les événements de 68. Pourquoi les événements de 68 ? Bien, c'est encore une application de la métapolitique. Au moment des événements de 68, la France est dirigée par un vieux général qui est considéré, à tort ou à raison, comme un héros qui a sauvé l'honneur français, etc. Alors moi, je vais vous dire, sur ce plan, je n'aime pas De Gaulle, mais je n'aime pas ceux qui ne l'aiment pas. Voilà, c'est un peu complexe à dire. Je n'aime pas De Gaulle parce que, bon, je pense qu'il est passé à côté de beaucoup de choses, et des choses essentielles, mais je respecte De Gaulle parce qu'il avait tout compris. Voilà, il avait tout compris et il a posé le problème politique français d'une manière qui était juste, en le mettant en pratique. Bon, mais, cela dit, il n'a pas été en mesure d'apporter de véritables changements. Pourquoi ? Parce qu'il était pressé. Il était pressé parce que c'était son combat à lui, ce n'était pas forcément le combat de ceux qui venaient après. Et De Gaulle, c'est très significatif, a rendu à la France une bonne partie de son prestige. Il a mené une politique extérieure audacieuse et finalement dont nous aurions intérêt à nous inspirer aujourd'hui. Seulement, De Gaulle n'a rien compris au problème idéologique. D'abord, De Gaulle considérait que l'idéologie, c'était pas important. Que les gens agissaient non pas en fonction de l'idéologie, mais uniquement en fonction de leur patrimoine national. Alors il parlait pas de l'URSS, il parlait de la Russie. Un jour, il a même dit à un ministre soviétique, « Oui, vous les Russes, etc., je salue le représentant de la Russie, alors qu'il était soviétique, et
qu'il n'était pas content du tout, parce que ça... et en plus, il n'était pas d'origine religieuse, mais il était d'origine arménienne, nicoyenne, hein, pour ne pas le dire. Donc, il considérait que les gens ne réagissaient pas par rapport à des choix, des convictions, qu'elles étaient des artefacts, qu'elles n'avaient pas de véritable valeur. Et ce qui fait qu'il a choisi comme ministre de la Culture un certain André Malraux, qui était un fervent gaulliste, mais qui, en fait, avait des idées d'extrême gauche et qui avait toujours milité à gauche. Je rappelle que André Malraux a participé à la guerre d'Espagne dans les rangs des Rouges. Hein, enfin, il a fallu participer un peu pour la forme, hein, parce qu'en fait, il s'est pas beaucoup battu, mais enfin, il a porté l'uniforme, il a pris beaucoup de photos. Bref. Écoutez, il faut dire les choses comme ça. Et Malraux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a totalement mis la culture entre les mains de la gauche. Il a accordé aux maisons de la culture des sommes considérables qui sont venues enrichir les compagnies de théâtre gauchistes, les mouvements gauchistes, et finalement on a eu une domination de la gauche sur l'université. D'où les événements de 1968 qui ont eu pour effet d'abord de chambouler la société française de manière durable. Je ne vais pas en faire le détail, mais les événements de 68 ont eu des conséquences considérables sur les mœurs des Français, sur la façon dont les Français vivaient, hein, dans la façon dont les Français concevaient leur relation avec les générations qui étaient précédées. Et c'est une chose qui fait, c'est une observation qui fait, qui choque énormément d'autres pays, comme par exemple les Japonais. Les Japonais qui voient le manque de respect des Français pour les générations en précédentes. Hein. Je précise tout de suite que ceci ne vaut absolument pas pour vous, hein, car vous êtes au contraire un exemple à donner pour tous les jeunes Français. Bien. Et donc présence de la gauche a permis ces événements. Et n'oublions pas une chose, c'est que Mitterrand n'aurait jamais été élu s'il n'y avait pas eu les événements de 68. La gauche ne serait pas implantée comme elle est aujourd'hui, enfin elle est de moins en moins, mais disons, elle a gardé le pouvoir très longtemps à cause de ça. Alors, comment, de quoi est formé cet esprit public qui a une importance si grande qu'il détermine cette métapolitique qui est capable de renverser les gouvernements, de les faire s'effondrer comme un colosse au pied d'argile? Eh bien, il y a des tas de choses, il y a des tas d'éléments, c'est pour ça que je vous dis, la métapolitique, c'est très disparate. Il y a énormément de choses dont certaines sont conscientes et d'autres pas du tout. Alors, je citerai par exemple, parmi ces choses qui composent l'esprit public et qui sont mobilisables par la métapolitique, les mythes qui viennent de très loin, des mythes qui vont, par exemple, le mythe du Gaulois, le Gaulois Astérix qui est désobéissant, qui n'a pas de discipline, mais qui arrive à battre les Romains parce que, bon, il est plus malin, etc. Ça, c'est un mythe typiquement français, d'ailleurs assez néfaste, hein, mais qui est typiquement français depuis longtemps, depuis 120 ans, hein, 130 ans. Il y a des mythes qui sont mortels, quelquefois, qui sont complètement mortels, c'est-à-dire qui entraînent la disparition d'un pays. Par exemple, les Indiens du Mexique. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Vous avez une observation à faire sur ce que vous dites? D'accord. Très bien. Donc, les Indiens du Mexique, les Aztèques, avaient dans leur mythologie la théorie qu'un jour, l'idée qu'un jour, les dieux viendraient à la conquête de leur pays. Ces dieux seraient blancs, ils auraient des cheveux blancs et les yeux bleus. Et donc, quand ils ont vu arriver les Espagnols, eh bien, ils ont cru que c'était des dieux.
Et donc, ça a complètement, ça a complètement paralysé leur esprit de résistance, alors que le rapport de force numérique leur était extrêmement favorable. Toujours dans le domaine des mythes, mais là, on en rentre plus loin dans les religions, eh bien, les bases religieuses se modifient. En Europe, on assiste depuis des années à une sécularisation du christianisme qui entraîne des affirmations par les autorités de l'Église qui auraient été considérées comme impensables il y a même un siècle. Par exemple, lorsque le pape actuel, le pape François Ier, déclare que un chrétien, un vrai chrétien, à propos de M. Trump, il dit « un vrai chrétien ne construit pas de mur ». Mais si, imaginez Bicêtre dire ça. Ou Jules II, celui qui précisément a fait construire les remparts de Rome. Personne n'aurait compris ce que ça signifiait. Personne n'aurait compris. On aurait dit, mais qu'est-ce qu'il ne reparle pas ? Pourquoi ? Eh bien, qu'est-ce que ça cache ? Ça cache le fait que, à l'époque de Jules II, de Bicêtre, enfin des papes, des anciens papes, n'est-ce pas ? La société n'était pas un objet d'expérience et de modification. On ne devait pas chercher à rendre la société plus conforme à des modèles éthiques. On devait laisser à l'Église le soin de former les armes. Mais ça n'impliquait en aucune façon des conséquences en ce qui concerne l'art de faire de la politique. Puisque la politique, pour la conception traditionnelle du catholicisme, elle est une chose naturelle. Et donc une chose qui n'a rien à voir avec le message évangélique. Aujourd'hui, on a un retournement et l'Église, dans son ensemble, aussi bien le pape que les curés de paroisse, etc., les bulletins paroissiaux, les évêques, affirment que finalement le devoir du chrétien, c'est de changer la société pour la rendre conforme au modèle évangélique, avec cette fameuse parole de Saint Paul, n'est-ce pas ? Il n'y a plus l'épître aux Colossiens, il n'y a plus ni juif ni grec, ni maître ni esclave, ni homme ni femme. Donc, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une modification des mythes qui est de nature culturelle. Et elle est d'une très très grosse conséquence. Car rien n'est plus destructeur pour l'esprit de défense des Européens que ce christianisme sécularisé. Et puis il y a une autre chose qui a une importance très grande dans la formation des études publiques et donc qui est un objet d'étude de la métapolitique, c'est la littérature. Alors là, sur ce plan, Maurras a écrit des choses remarquables. Je crois que personne n'a été plus profond sur la littérature que Maurras. Parce que Gramsci n'était pas un littéraire. Mais Maurras était un grand écrivain, un grand poète. Hein. Et il a écrit une analyse, il a détecté dans l'évolution du XVIIIe siècle, dans la formation du pré-romantisme, n'est-ce pas, une vision du monde qui était développée par la littérature. Et il a écrit, alors je vais pas disserter pendant des heures là-dessus, mais il a écrit par exemple que La Nouvelle Héloïse, le fameux roman de Jean-Jacques Rousseau, a été beaucoup plus important pour l'acceptation des idées de Rousseau que le contrat social. Et c'est tout à fait exact, n'est-ce pas ? Il y a des romans, il y a des poèmes qui sont dissolvants pour l'esprit public, pour la société. Eh bien, c'était le cas de ce roman de Rousseau. Qui l'a lu ? Vous ? D'accord. Vous êtes d'accord avec Maurras ? Oui. Je suis d'accord. Toujours. C'est bien, mon fils. Et puis, il y a l'évolution philosophique.
la société est marquée par des idées philosophiques. Alors, bien sûr, vous allez me dire, bon, enfin, vous me présentez le nombre de philosophes, il se compte dans une, peut-être il y a 10 000 philosophes en France, c'est pas ça qui va changer les choses. Non, mais c'est pas vrai. Parce qu'en réalité, la philosophie, elle marque les esprits. C'est autour de la philosophie que va se créer le droit, et ainsi la philosophie rentre dans les esprits. Donc il y a une prégnance des idées philosophiques, et toute modification de la philosophie a des conséquences sur la société. Je prends un exemple qui est très parlant d'influence d'une idéologie sur le droit et sur l'esprit public. Quand vous parlez des droits de l'homme, est-ce que vous avez l'impression de parler d'une idéologie? La plupart des gens, peut-être vous, parce que vous êtes d'esprit lucide et brillant, mais la plupart des gens, quand ils parlent de droits de l'homme, ils n'ont absolument pas l'impression de parler d'une métaphore idéologique. Pourquoi ? Parce que ça s'est rentré dans l'esprit général. Les gens disent les droits de l'homme. Ah oui, quand même, bon, il faut quand même avoir des droits, les droits de l'homme. En fait, les droits de l'homme sont définis comme quelque chose d'imprescriptible et d'éternel, aussi vieux que l'homme, puisque c'est parce qu'on est homme qu'on a des droits. Et en fait, c'est purement idéologique. Car s'il est vrai que tous les hommes ont des droits, ont toujours eu des droits, ces droits, ils ne les possèdent pas dans leur qualité d'homme, ils les possèdent à cause de l'appartenance à une société. Bon, vous arrêtez là-bas, s'il vous plaît, hein, peu d'attention dernièrement près du radiateur. Voilà. Alors, maintenant, nous allons voir comment le révolutionnaire, ou le contre-révolutionnaire, c'est un peu la même chose, hein, doit traiter cette réalité de la métapolitique. Eh bien, il doit permettre la mise en place d'un esprit favorable. C'est-à-dire qu'il doit faire rentrer des principes philosophiques dans le mental des gens qui développent son projet, leur projet. Vous devez tous, en quelque sorte, être des philosophes. Enfin, pas forcément agréger en philosophie, mais au moins comprendre quels sont les enjeux philosophiques. Et là, il y a une grande différence dans la métapolitique avec la philosophie politique telle que la concevait Platon, parce que Platon disait que finalement, ceux qui n'étaient pas philosophes n'avaient pas à penser la politique. Eh bien, pas du tout. C'est la politique qui contient elle-même des présupposés philosophiques, et ces présupposés philosophiques, il faut soit les soutenir quand ils vont dans le sens de l'état traditionnel, soit les démonter quand ils se placent dans le sens de la démocratie idéologique. Et la métapolitique se situe bien entendu au-dessus de la politique politicienne. Pourquoi ? Parce que quand vous faites une déclaration, vous faites un ouvrage, cet ouvrage, il peut parfaitement n'avoir rien à voir avec la politique. Et pourtant, il peut être très important pour la politique. J'ai eu l'occasion, dernièrement, un cercle dont je fais partie, d'entendre le décernement d'un prix littéraire, un monsieur qui était un ancien ministre, et qui s'appelle Monsieur Hervé Guémard. Monsieur Hervé Guémard a écrit un livre sur l'histoire, les grands jours, les jours où les Français furent heureux, etc. Ce livre, d'ailleurs, n'a aucune valeur historique. Mais pourquoi lui a-t-on donné le prix ? On lui a donné le prix pour des raisons politiques. On lui a donné le prix parce que le but, c'est de mettre en place la candidature GPE. Et ça se voit. C'est... En revanche, quand vous faites un poème, quand vous faites une œuvre romanesque, bon, La Varande par exemple, hein, vous connaissez La Varande, vous avez lu La Varande ? Bon, ben, La Varande, c'est quelqu'un qui fait des royalistes. Il y a beaucoup de gens qui lisent La Varande et qui deviennent royalistes en lisant La Varande.
Parce que là-bas, on parle au cœur, il parle de sensibilité, qui est une sensibilité traditionnelle, traditionnaliste. Donc, tout cela ne doit pas être vu. Si Lavarande avait écrit ses bouquins en mettant à la fin de chaque livre, il faut adhérer au royalisme, personne ne l'aurait suivi. Et comme il ne le dit pas, comme il se borne à décrire la valeur de l'état monarchique, de l'état de société traditionnelle, eh bien, ça entraîne c'est une souplesse d'expression qui est très porteuse et qui permet de faire partager un certain nombre d'idées. Donc la métapolitique, elle diffuse aussi bien une sensibilité qu'une doctrine. Elle se fait culturelle ou idéologique selon les circonstances. Et ainsi, on peut arriver à ce que disait Gramsci, à savoir que les groupes, ce qu'il appelle les groupes subalternes, dans son jargon, hein, sont complètement sous contrôle, ou du moins contenus au sein d'un espace idéologique, dont le caractère idéologique n'est pas vu exactement comme vous, comme les étudiants en droit ou en première année, ils parlent dans l'homme comme s'il ne s'agissait pas d'une construction idéologique, comme s'il s'agissait de quelque chose admis par tout le monde, ou que personne ne discute, etc. C'est quand personne ne discute ce genre de construction que ça fait partie de l'esprit public, que c'est devenu un enjeu métapolitique. Excusez-moi, 30 secondes. Je ne peux pas te prendre, je suis en conférence. À tout à l'heure. Donc là, nous sommes devant une véritable guerre. C'est une guerre de la pensée. Dans l'acceptation de ces principes métapolitiques, dans l'image qui va être transmise de manière favorable ou défavorable, eh bien, il y a un enjeu qui est carrément polémique, qui est un enjeu de guerre idéologique. Mais bien entendu, l'idéologie ne doit pas s'avouer comme telle. Et cette idéologie, cette guerre idéologique, elle passe par beaucoup de points qui ne sont pas a priori politiques. Alors d'abord, eh bien, les valeurs morales, les valeurs culturelles, comme par exemple le vocabulaire. C'est fondamental le vocabulaire. Il y a des mots qui, quand ils sont acceptés tels que, font perdre automatiquement à celui qui les exprime la persuasion. Par exemple, un mot qui est quand même un mot valise, n'est-ce pas ? Si je parle de l'art, par exemple, je vais dire l'art contemporain. C'est de la crotte. Et c'est vrai que c'est de la crotte. Mais à partir du moment où j'ai accepté de l'appeler art, je suis fichu. Parce que la personne qui vous parle, elle va dire, mais qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est pas de l'art, hein? Qu'est-ce qui vous permet de dire que ce n'est pas de l'art? Après tout, celui qui l'a fait, il a une émotion esthétique. C'est pas vrai du tout, hein. Mais enfin, mais en fait, c'est ce qu'il dit. Et donc, on appelle art n'importe quoi. C'est ce que Duchamp, Marcel Duchamp, qui est le fondateur de l'art contemporain, a mis en place lorsque, en 1900, donc il y a déjà 116 ans, il a exposé l'exposition d'art moderne, il a exposé une pissotière, un urinoir renversé, et il a baptisé sa sculpture. Là, c'est la naissance de l'art contemporain. On baptise une pissotière, bien entendu, il n'a pas fait, hein, c'est le porcelainier qui a fait la pissotière, mais il l'a appelé art. Et bien, on a fait sauter toutes les limites du vocabulaire. Si vous acceptez le vocabulaire, ce vocabulaire-là, vous êtes fichu. Pareil pour le mot racisme. Qu'est-ce qui se passe quand on vous dit vous êtes raciste ? Eh bien, vous acceptez, c'est un piège.
Parce que si vous répondez, ah non, moi je suis pas raciste, d'ailleurs, et là vous allez perdre la moitié du temps que vous aurez exposé à donner vos idées, à vous disculper en disant que vous n'êtes pas raciste. Ou alors vous répondez, qu'est-ce que c'est le racisme? Ça c'est très embêtant avec un journaliste. Qu'est-ce qu'il vous répond, le journaliste? Il vous répond, attendez, c'est moi qui pose la question. C'est ce que la journaliste québécoise a dit à Marine Le Pen quand elle était en visite. Elle lui a dit, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'ai pas compris. Elle a répondu, ça, ce que je viens de dire. Ici, c'est moi qui pose la question. Et, si vous, et en plus, si vous dites, le racisme, si être raciste veut dire ceci, cela, etc., bien sûr, je suis bon, mais si être raciste, ça veut dire quelque chose de bien, vous avez reconnu, vous avez avoué. C'est vous retombez sur la situation de Carlos Otero. Ça vous dit quelque chose, Carlos Otero? Pendant la guerre civile espagnole, Carlos Otero a été accusé à plusieurs reprises par les députés socialistes de gauche d'être fasciste. Et lui, il a dit, si être fasciste, c'est être pour la protection des ouvriers, pour une société qui protège et pas une société qui opprime, une société qui laisse des libertés et qui néanmoins permet le maintien de normes sociales, alors je suis fasciste. Et du coup, on a dit qu'il a reconnu qu'il était fasciste. Et la gauche, hein, est par nature de mauvaise foi, hein, ça fait partie de leur gène, hein, être de gauche, c'est être de mauvaise foi. Et d'ailleurs, le soir même, Carlos Otero a été assassiné. Et c'est le point de départ de la guerre civile espagnole, le 17 juillet 1936. Donc, très important le vocabulaire. De même, quand vous parlez de famille, je vous fais un exposé vendredi dernier, ici, sur la famille, et certains d'entre vous y étaient. Oui, vous y étiez. Mais vous, c'est pas pareil. Je vous expliquais que l'enjeu du vocabulaire est fondamental. Quand Madame Vallaud, Belkacem, M. Fillon, des circulaires dans les écoles en disant « Il faut montrer aux élèves qu'il n'y a pas de définition de la famille. » Parce que le but, c'est qu'on considère que la famille, après tout, c'est ce qu'on veut en faisant cela. Si vous estimez que c'est ce qu'on veut, que ce n'est pas une chaîne de descendance, composé biologiquement d'hommes et de femmes, par définition. Si vous dites que ce n'est pas ça, vous pouvez mettre n'importe quoi, exactement comme on peut mettre sous le nom d'art des pissotières. Et ça, c'est fondamental, le vocabulaire. Donc il faut s'attacher au vocabulaire et démonter le piège afin de ne pas y tomber. Et imposer notre vocabulaire. Très important dans le combat culturel. Et puis, il faut également effectuer une critique globale de du système dans lequel nous vivons. Il me reste combien de temps? 15 minutes, j'ai 19h45. 15 minutes, ça va. Je vais sauter une partie de mon exposé, parce que je ne vais pas vous garder trop longtemps. Il faut contester le système dans son principe. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la contestation du système se situe principalement sur le plan métapolitique, et non pas essentiellement sur le plan proprement politique. Pourquoi? Eh bien parce que autrefois, et c'était un peu comme ça quand j'étais étudiant, mais quand même, c'était déjà un peu comme aujourd'hui, mais moins qu'aujourd'hui, on constate que tout est un enjeu de combat politique. Il fut un temps où quand on parlait de la famille, c'était pas contesté, on discutait même pas de la famille. C'était la famille, c'est une institution. Donc elle était, tous les systèmes politiques, toutes les opinions politiques considéraient que la famille elle méritait d'être conservée. On ne mettait pas en cause l'existence même de la famille.
De même, d'autres choses comme l'utilisation de la technique n'étaient pas remises en cause. Or, aujourd'hui, eh bien, nous avons un débat qui est devenu global et qui est devenu, qui touche à tout, tout est politique. On va, vous savez, dans les années 50, personne n'aurait songé à dire qu'entre le professeur et l'élève, il y avait autre chose qu'une relation d'enseignement. C'est-à-dire que le professeur faisait participer l'élève, le professeur donne et l'élève reçoit. Et puis, à partir de 68, on a dit non. Le professeur donne et l'élève donne. C'est un échange, n'est-ce pas? Et c'est l'élève qui fait le savoir, n'est-ce pas? Moi, j'ai entendu ça. Un jour, je me plaignais que les élèves avaient une orthographe déplorable, quelque chose d'hallucinant, n'est-ce pas? Et ils m'ont répondu, et le directeur de l'école m'a dit, mais monsieur, ils font leur langage, ils sont là pour ça, hein, ils fabriquent leur langage. Hein. Donc voilà, vous voyez que là, nous avons une intervention du politique sur des choses qui n'ont rien de politique, mais qui déterminent le politique. Parce que le jour où le langage a disparu, ou bien le langage a perdu sa puissance, sa faculté de précision, sera incapable de recouvrir correctement les concepts, à ce moment-là, c'est ceux qui ont le pouvoir qui pourront faire perdurer leur pouvoir. Tous les économistes qui font du marketing, les publicitaires, savent bien qu'il n'y a rien de pire que d'avoir affaire à une population différenciée qui a une appréciation tout à fait exacte des mots que l'on emploie. Et ça, c'est très mauvais. Au contraire, il faut massifier, il faut avoir des gens qui soient le plus sensibles à l'image, aux mécanismes que l'on implante en eux, et qui sont donc de bons consommateurs. Autrement dit, ils cherchent de bonnes dupes, n'est-ce pas ? Voilà. Et donc ça, c'est une chose très importante, c'est qu'aujourd'hui, le débat concerne des tas de choses, qui autrefois n'étaient pas du tout un objet de débat. Et puis, le débat est de plus en plus idéologique. Il n'y a plus de neutralité. Tout fait l'objet d'un engagement. Jusqu'aux images du RER dans lesquelles on vous dit qu'il faut acheter telle ou telle carte et qui vont contenir un message. Un message qui a pour but de favoriser l'indifférenciation des Français. Si vous vous souvenez de cette pub pour une carte du RER qui s'appelait Imaginaire, ça vous dit quelque chose, hein? Et qu'est-ce que représentait cette image? Elle représentait une magnifique fille blonde et un gros Africain qui l'a tenu par les bras. Il y a un message. Donc, tout discours antitotalitaire est culturel et il a pour résultat de démonter ces mécanismes qui sont implantés en nous. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le véritable débat ne se situe plus dans l'arène politicienne. Regardez ce débat sur la déchéance de nationalité, où on a vu les gens qui étaient pour, qui étaient contre, puis qui étaient pour, qui étaient contre, et puis après qui était favorable ou pas. C'est le président de la République Hollande qui a voulu l'imposer, puis c'est lui qui l'a retiré. La droite avait dit qu'elle le voterait, puis qu'elle ne le voterait pas. Nous sommes dans de la politique politicienne, c'est-à-dire en fin de compte des petites manœuvres, qui s'apparentent au jeu d'échecs, mais qui ne correspondent absolument pas à des enjeux perceptibles par la population. En revanche, le contenu, hein, c'est-à-dire que doit-on laisser la France envahie, ça c'est quelque chose que les gens comprennent. Donc il y a tout un combat métapolitique qui consiste à montrer aux gens combien les préoccupations de leurs dirigeants sont étrangères à leurs propres préoccupations. Et cette situation, elle est tout à fait nouvelle. Hein.
Et le pouvoir culturel, il est certain que, presque sans que nous n'y faisions rien, nous ne fassions rien, le pouvoir politique, le pouvoir culturel est actuellement en train de changer de main. Et c'est pas pour rien que vous avez aujourd'hui de plus en plus de penseurs qui viennent de la gauche et qui se mettent un peu à avoir des idées plutôt de droite, plutôt contre-révolutionnaires, plutôt traditionnalistes. C'est un fait. Nous le voyons. C'est un motif de nous réjouir, mais c'est une conséquence de cette mutation métapolitique que nous subissons. Alors, conclurai mon exposé en disant que la critique que nous faisons, le démontage idéologique du système sur lequel la France républicaine est fondée, ne doit pas se limiter aux 10 ou 20 dernières années, comme le font beaucoup de gens qui disent « oui, c'est à partir du moment où les socialistes ont pris le pouvoir que, mais pas du tout ». C'est pas au moment où les socialistes ont pris le pouvoir, c'est bien avant. En fait, les mécanismes que nous connaissons aujourd'hui, ils sont très anciens. Et la prégnance des idées des Lumières, elle est très ancienne. En fait, les Lumières ne sont pas venues tout seules. Derrière les Lumières, il y a d'autres penseurs. Et donc, il y a 8 siècles d'évolution philosophique qui doivent tomber sous le coup de notre critique. Pas critique totale, mais critique partielle. Il faut s'intéresser à cette évolution. De même, en ce qui concerne l'évolution de l'Église, dont je vous parlais tout à l'heure, ceux qui croient que l'évolution de l'Église a commencé au moment où le Concile a voté le schéma 13, ils sont complètement à l'ordre de la question. C'est une évolution très ancienne et qui s'étale sur plusieurs siècles, n'est-ce pas ? Donc il faut bien concevoir que beaucoup de choses qui ont été soutenues par ce qu'on appelle les progressistes au Concile, elles avaient déjà été soutenues et condamnées, hein, par des théologiens au moment du Concile de Trente. Donc, c'est une tâche très longue, qui demande beaucoup de compétences. C'est une tâche difficile, qui demande de l'esprit de recherche, une analyse constamment renouvelée de l'esprit public, une détermination méticuleuse de l'ennemi idéologique. Qui doit-on attaquer? Qui doit-on affaiblir? Et également, une habileté manœuvrière. Avec les idées, il faut quelquefois savoir dissimuler. Comme dans toute chose, si on veut permettre des rapports de domination que Gramsci avait définis et qui ne sont pas forcément acceptés volontiers quand ils sont conscients. Et enfin, eh bien du courage, car sans l'obstination et la conviction, aucune persuasion ne peut passer. Je vous remercie de votre attention. Alors, je suppose que vous avez des questions à poser. Qui a des questions à poser? Je vous écoute. Moi, j'avais une question pour revenir, en fait, quand vous avez exposé finalement, l'action française avait en quelque sorte perdu un combat qu'il aurait pu gagner avec la victoire en 1918. Donc, on peut dire la même chose à propos de la guerre 39-45, puisque avant 1939, contre le Front populaire, nos idées étaient assez prégnantes également. Mais c'était déjà en baisse, hein, déjà en baisse. Voilà. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce que c'est juste une question de malchance, de poisse, on est au mauvais endroit au mauvais moment? Ou est-ce que le combat métapolitique n'a pas été assez suffisant? Et finalement, est-ce que par exemple une victoire de 1918 qu'on aurait pu s'approprier, puisque les royalistes ont été très présents pendant la guerre, est-ce que finalement c'est les événements qui sont responsables de cela on a une part de responsabilité dans cette défaite? Vous me posez une question délicate. Alors, je vais vous répondre ce que je pense, personnellement. Ce que je pense, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord avec moi. Et je le précise parce que, quelquefois, je dis des choses que je pense, pas d'accord.
Mais ce que je pense, c'est que Clausewitz dit la guerre, c'est la politique par d'autres moyens. D'accord. Et en ça, il a totalement raison. Lorsque la guerre éclate, il est bien évident qu'il était absolument impensable pour l'action française, comme pour tout mouvement politique d'ailleurs, de faire autre chose que de participer à l'effort de défense nationale. On imagine mal l'action française dire non, il faut soutenir l'empereur Guillaume II parce que c'est un empereur héréditaire, c'est une monarchie avec la force de la République. Ben, il est évident que ça aurait été un suicide total. Hein. C'était totalement impensable. Hein. Tout simplement, pas raisonnable, totalement démentiel. Donc, la France, les élections Z, se devaient de participer à l'effort de défense nationale. Mais, l'action française est allée un peu plus loin. Maurras a décrété l'union sacrée. Et cette union sacrée, elle était une bonne chose, mais à la condition que on continue à avoir conscience que le gouvernement de la France était toujours républicain. Et que ce n'étaient pas nos amis politiques qui étaient au pouvoir. Je me permets de vous faire observer que en 1914, le général commandant la 3e armée, qui s'appelait le général de l'Angle de Carry, a été destitué de son commandement. Pourquoi? Eh bien parce qu'il avait autorisé les soldats qui le désiraient à porter le Sacré-Cœur sur la Vareuse en montant au front. Lorsque les généraux, par exemple Joffre, tous ces généraux de la guerre de 14, font un ordre de mouvement, ils se réfèrent toujours à 93 et pas au Vendéen. 93, les colonnes de Hoche, Kellermann, etc. Donc il y a une référence qui est ravivée par la guerre de 14 à la République. Et Maurras, que dit-il? Il dit la France n'est plus en République. Elle n'est plus en République, elle a un roi, et ce roi, c'est le généralissime. Mais c'est faux! C'est faux, c'est absolument faux. Le généralissime n'est absolument pas le roi de France. C'est même pas lui qui commande. La France continue à appliquer une hiérarchie dans laquelle les militaires, même lorsque leur garde est très élevé, obéissent au gouvernement. Et ils obéissent au gouvernement selon des critères de parti. Un homme comme le général Sarraille, par exemple, était un très mauvais général. Eh bien, il a été lamentable. Ensuite, quand il était au Moyen-Orient, il s'est fait complètement écraser par l'armée turque qui manquait de tout. Bon. Eh bien, le général Sarraï, il a été conservé parce qu'il était franc-maçon. Donc la France continue à être dirigée par les francs-maçons. Et Clémenceau est un homme qui va se fixer un objectif de guerre qui est la destruction des puissances catholiques, et notamment de l'Autriche-Hongrie. Et ça, je trouve qu'on n'a pas su le voir. Et on n'a pas su le combattre. Et j'estime que la France, que Maurras, aurait dû garder sa lucidité vis-à-vis du pouvoir. De manière, lorsque c'était visible et que c'était possible, de venir gêner le gouvernement. Lui dire, attendez, vous êtes dans cette voie-là, mais nous, on n'est plus d'accord. Je pense par exemple en 1917. En 1917, vous savez que l'empereur d'Autriche envoie son beau-frère, ses beaux-frères, qui s'appelle Sixte Xavier de Bourbon-Parme, pour tenter de faire une paix séparée. Et cette paix séparée, elle comprenait des éléments de compromis qui étaient très intéressants pour la France. En plus, elle aurait fait disparaître un front. Et la France aurait pu, à ce moment-là, faire la guerre directement aux Allemands, à une époque où le front était... 1917, c'est un moment charnière dans la guerre. Je rappelle quand même qu'après 1917,
la France a eu encore 700 000 morts. La moitié des morts de la guerre de 14 datent d'après 1917. Hein. Et là, que fait Maurras ? Eh bien, il dit que c'est une tentative allemande. Ce n'est pas une tentative allemande. Et il ne va pas la soutenir. En fait, Sixte et Xavier de Montparnasse trouvent vraiment un appui plutôt chez la gauche, chez les socialistes. Et en fait, que dit Maurras ? Je suis un gendarme supplémentaire. C'est l'expression. Je suis un gendarme supplémentaire. J'obéis au gouvernement parce que c'est le gouvernement de défense nationale. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur politique. C'est une erreur qui ne correspond pas à la science politique. La science politique, il faut garder ses possibilités de décision. Ben, si vous voulez, voilà mon opinion. Je pense que Maurras a eu tort, pendant la guerre de 14, de ne pas garder un certain degré d'esprit d'analyse et de ne pas se retourner, même de manière discrète, contre le gouvernement, du moins dans cette volonté complètement fanatique de détruire tout ce qui était traditionnel en Europe. Et nous n'en sommes pas sortis aujourd'hui, hein, car derrière le traité de Versailles, qui a été analysé avec beaucoup de justesse par Jacques Bainville et par l'Action française, eh bien, il y a l'Europe d'aujourd'hui, les faiblesses que nous connaissons, hein, la confiscation de la moitié de l'Europe par l'URSS en 1945, etc., et aujourd'hui, l'incapacité de l'Europe à faire face à l'avenir. Voilà. Vous m'avez entendu, alors vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, et vous aurez le droit, simplement, c'est une opinion personnelle. Pas d'autres questions ? Oui ? Mais lorsque vous dites qu'on va tourner dans 8 siècles à peu près pour faire la critique de la culture, en tout cas de la métapolitique. Oui. Mais alors comment faire aujourd'hui ? Si bien sûr on doit carrément remettre en cause beaucoup de. Bah, par exemple de romantiques, d'écrivains. Ah, alors là, le romantisme, justement, je n'en ai pas parlé. Ouais. Le romantisme, c'est justement un point sur lequel. D'ailleurs, je vous ai fait une conférence sur le romantisme il y a un an, ou deux ans. Le romantisme, c'est une question littéraire sur laquelle Maurras a une opinion personnelle, lui aussi. Hein. Lui, il déteste le romantisme. Est-ce que le romantisme est contre-révolutionnaire ou est-ce qu'au contraire, il est révolutionnaire ? Maurras pense qu'il est révolutionnaire et que c'est le classicisme qui est contre-révolutionnaire. Moi, je ne pense pas tout à fait comme ça. Je ne suis pas le seul. Hein. Là, sur ce point, disons qu'on est partagé. Il y a des gens qui pensent que, au contraire, le romantisme est contre-révolutionnaire. Il y a des gens qui pensent comme moi que, bon, il y a du contre-révolutionnaire, il y a du révolutionnaire dans le romantisme comme dans le classicisme. Voilà. Alors, oui, je vous ai arrêté sur le romantisme. Enfin, indépendamment, en fait. Même si c'est contre-révolutionnaire, mais que ça peut révolutionnaire, mais que ça appartient à la culture française, comment remettre en cause cette métapolitique qui s'installe ? Oh, mais il ne s'agit pas de. Il s'agit pas d'interdire la lecture de Lamartine. Hein. Oui, voilà. C'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà. Non. Vous savez, le passé est le passé. Hein. Vous savez, on ne peut pas changer le passé. Non, c'est absolument absurde. Il faut faire sien ce qu'il y a dans le passé. Puis le romantisme, moi, vous savez, Lamartine, j'aime pas l'esprit dont il parle, mais je reconnais que c'est un très grand poète. Hein. Victor Hugo, c'est le plus grand poète français du XIXe siècle. Et pourtant, j'ajoute, hélas. Hein. Mais c'est vrai. Victor Hugo, c'est Victor Hugo. Oui, mais il y a un grand paradoxe ici, là, qui se forme. Si c'est un grand poète, alors dans ce cas, il profite de ses facultés littéraires pour faire passer justement son message. Mais c'est un fait. C'est un fait. Mais je signale que c'est pareil pour Racine et pour Corneille. Pourquoi est-ce que notre enseignement a supprimé Corneille complètement, hein ? Il est quasiment interdit, Corneille. J'aime Corneille parce que Corneille exprime des valeurs héroïques, aristocratiques, hein, qui sont à l'inverse de ce que le gouvernement de M. Pillon et de Mme Vallaud-Belkacem veulent foutre dans l'esprit des Français. De même, Racine, c'est pareil. Racine est très mal vu, on n'enseigne pratiquement plus Racine, parce que Racine, c'est un esprit qui est dévoué à une conception très élitiste et très classique, très majestueuse de la France. Et ça, c'est cette conception qu'il faut extirper des cerveaux. Fût-ce en faisant des abrutis totaux, mais ça ne les gêne pas du tout de faire des abrutis. Ça n'a aucune importance.
du moment qu'ils vont dans le sens de cette société égalitaire, massifiée, indifférenciée, etc. etc. Voilà. Alors maintenant, vous me direz, mais 8 siècles, ça fait long quand même, hein ? Oui, bien sûr. Mais si vous voulez, il est clair qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'évolution philosophique, vous voyez qu'un type comme Scott Erigène, par exemple, qui est un moine du XIVe siècle, il y a déjà chez Scott Erigène des idées qui vont par la suite influencer la philosophie du XVIIIe siècle. De même, l'école de Salamanque. L'école de Salamanque, c'est pareil, c'est une école philosophique qui contient déjà en germe, alors de manière très claire, hein, l'universalisme temporel d'aujourd'hui, la délégitimation de l'État national, etc. Et tout ça, il faut le dire. Il faut dire, voilà, c'était déjà là. Il faut le pointer. Après ça, je ne vous ai pas dit que je ne dis pas que pour autant il faille interdire la lecture de Molina et de Suarez. Hmm ? Vous dites que le travail de déconstruction de votre société date d'il y a longtemps et depuis 8 siècles. Vous pensez vraiment que le courant contre-révolutionnaire peut rattraper son retard ? Bien sûr, on peut toujours tout rattraper. On ne peut pas changer le passé, mais en revanche, on peut voir au moins les choses. Comment ? En mai 68, on n'a rien pu. Non, on était faible. On était faible. Mais, vous savez. Comment ? Non, personne ne s'engage en politique maintenant, à droite. Dans le courant contre-révolutionnaire, c'est quasiment. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? On est très nombreux par rapport aux générations précédentes. Non, vous n'êtes pas nombreux, très nombreux, vous êtes plus nombreux que la génération qui vous a précédé. Et puis, vous êtes, vous avez, excusez-moi, mais je le vois parce que je l'ai bien connu, vous avez des convictions qui sont plus solides. Vous êtes moins sensibles aux influences extérieures. Parce que elles se sont discréditées. Moi, je me souviens, j'ai assisté à un événement qui a été pour moi absolument désastreux. C'est la rupture de la NAF. Hein ? La rupture de la NAF. Eh bien, je peux vous dire qu'au moment où la NAF a été créée, c'est-à-dire c'était en 69-70, vous aviez toute une partie de l'Action française qui ne voulait plus appliquer les principes contre-révolutionnaires, qui les avait carrément rejetés. Et qui était quand même maintenu en place par la direction de l'Action française, parce que bon, cette direction estimait que ce n'était pas très important. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu la scission, cette scission désastreuse de l'ANA. Et puis ensuite, des tas d'autres scissions qui sont des contre-coups. Eh bien, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça fait 3 ans quand même que je vous donne. Je dirige les cercles, hein. J'ai l'impression que on n'a plus tellement ce genre de choses, et au contraire, je constate que les gens qui sont partis de l'AF reviennent en revenant au principe contre-révolutionnaire. Donc, motif d'espérer.